retenir Atlas, et ils ne pourront me retenir non plus. Les dieux ont visiblement pris leur esclave en pitié. Tu me sous-estimes, Caron. Cette fois, je ne serai pas aussi magnanime. Caron. Ça... Bon, bizarre, ok. Des bouboules. Ah, j'étais trop proche, malheureusement. Mais pourtant, je m'en doutais que c'était les boules, mais je sais pas. J'ai voulu y aller. Un peu bête. Hein. Alors comment on fait pour l'empêcher de se soigner? Ah d'accord. D'accord, d'accord. Phase 2. Caron le nulos, hein, comme disent les jeunes. Oh. Je pense qu'il y a 4 phases quand même normalement. Pas mal hein. C'était plus que la moyenne quoi. Wow. Oh la vie que ça lui a enlevé. Caron, lâche! Ah, 5 phases? Oh! Oh la vitesse quoi. Il fait vraiment trop le malin, je trouve. Oh là là, quand il fait le malin! Ah, puis il est mort. Bon voyage! Ah, ce succès exceptionnel. Bon voyage. Ayant terrassé Caron, Kratos s'enfonça dans les enfers, plus près de son but. Car au loin, la lumière éblouissante d'Hélios illuminait le monde du dessous tout entier. Mais quelque chose sur la rive attira l'attention de Kratos. Une apparition. Calliope ! Voyant sa fille, Kratos comprit que tout ce pourquoi il avait œuvré, tout ce qu'il avait toujours désiré, était à portée de main. Ses années de servitude ne l'avaient pas libéré de sa douleur. Jamais le fardeau de son passé n'avait été levé. Aujourd'hui, Calliope était devant lui. Calliope !